Salut tous les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un petit skill test comme vous aimez tant. Voilà, skill test, je sais que vous kiffez. C'est bien moi qui joue, hein, c'est pas la salle. Parce que je sais que dans les commentaires à chaque fois vous me dites ouais, c'est la salle qui joue. Donc c'est parti, j'ai pas en tout, j'ai pas testé la course, rien du tout. Donc ça va être la découverte totale. On va essayer de faire un perfect. Je vous garantis rien, en tout cas. Wow. Ok. En tout cas, j'allais dire un truc, mais en tout cas, là, c'est vrai que ça sautille pas mal. Ah ouais. What the fuck? Et il existe encore ce véhicule là. C'est vrai que je ne l'utilisais plus du tout. Mais il existe encore, les gars. Il existe vraiment encore. Il est très lent, d'ailleurs, c'est l'un des plus lents. Hein. Tu vois, là, il me faut un jet ski, il me faut un blazer aqua, il me faut un truc magnifique comme ça. Là, ils nous mettent un Sand King un peu bizarre. C'était pour un DLC, je sais pas si vous vous souvenez. D'ailleurs, c'est dommage qu'on peut pas faire des parcours à deux. Ce serait genre trop stylé. Enfin, genre, tu vois, tu prends ton pote derrière. Et genre, on peut changer le volant. Ou on peut changer, tu sais, par exemple, quand il y a un truc hard, tu peux changer la place. Genre, par exemple, c'est moi. Si par exemple, la salle est au volant, je dis, bah écoute, la salle, t'es nulle. Donc, laisse-moi le volant. Et hop, je prends sa place. Tu vois, ça peut être pas mal. Bon, en tout cas, je sais que vous aimez bien les skill tests. J'ai mis un petit post, les gars, n'hésitez pas à aller voir vous allez sur ma chaîne, vous allez dans l'onglet communauté. J'ai mis un petit post pour ceux qui veulent savoir les live RP, donc ça reprend la semaine prochaine, comme j'ai dit. Mais du coup, je sais pas encore si je vais continuer mon perso actuel ou si je vais tuer mon perso. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire, soit nouveau perso, soit je vais continuer mon perso pour GTA 5 RP. Pour les lives, donc je rappelle qu'on en sort tous les lives à 21h, donc on verra bien. En tout cas, pour le moment, et eh bien écoutez, ça se passe plutôt bien. On est Wally, c'est imperfect pour l'instant. Alors, ok, je vais me remettre en mode Rick and Barin in the rest forever and ever. Bon, pour l'instant, rien de compliqué. Je crois que là, on va arriver dans le vif du sujet, dans le parcours, les gars. Parce que croyez-moi qu'ici. C'est toujours aussi stylé, je kiffe. Bon, y a des grosses vagues. Ah ouais, faut faire le tour. Ah ouais, faut faire le tour. Non, je pensais qu'il fallait monter, mais non. Il nous fait faire le tour, les gars. D'ailleurs, pourquoi il nous a mis deux points ici? Peut-être parce que les joueurs, genre, ils ont du mal. Je sais pas. Mais en tout cas, honnêtement, si vous êtes un débutant et tout, que vous voulez faire des courses un peu compliquées ou quoi, et bah, ce genre de course. C'est fait pour vous. Alors, ouh. Là on a un camion et je pense qu'il faut aller ici, les gars. Alors comme j'ai dit, on va essayer de faire un perfect. Ok. Bon, en fait, tu vois, là, je me suis pris pour un débutant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu peur de tourner. Alors qu'en fait, faut vraiment pas avoir peur du tout. Voilà. Vous voyez, là, je suis dans le vide. Hein. Limite le camion va tomber. Mais non, faut pas avoir peur, les gars. Parce que je sais que là, la plupart des gens. Et c'est ce que je faisais au début, hein. Je dis pas que je le faisais pas. Genre au début, je le faisais. Genre quand les premières courses casse-cou sont sorties. Bah, c'est-à-dire que je m'arrêtais, je faisais déraper mes roues. Alors qu'en fait, il faut pas faire déraper ses roues. Il faut juste tourner. Comme ça, les gars. Et pas avoir peur. Et votre véhicule va tourner tout seul, en fait. Voilà, alors. Là, par contre. Un peu de concentration parce qu'il faut tourner tout, certes. Il n'y a rien de compliqué ici encore. Mais vous voyez, faut pas avoir peur d'aller dans le vide. Regardez, mes roues, elles sont dans le vide. Il faut vraiment pas avoir peur. Voilà. Ok, on est parfait. Là. On est Wally, on est Steady, on est Melly, on est Ferry. Et du coup, on va voir le point tranquillement. Voilà, c'est tout, les gars. C'est aussi simple que ça. C'est aussi easy que ça. Ok, par contre, faut pas que je fasse ça. Faut que je tombe. Je rappelle que pour l'instant, on essaie de faire un 100% perfect. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, les gars. Ne pas tomber du tout du parcours. Et pour l'instant, c'est imperfect. On a 4 minutes 16, je ne sais pas combien de temps dure le parcours. En tout cas, on est bon. On est Wally, on est Steady, on est Feli, on est Mary, on est Sumata. Sumata, bien sûr. Alors. Ok. Je fais simple là. Voilà. Ok. Là, avec le camion, j'ai envie de partir en wall ride. Mais non, on va éviter parce que le camion n'a pas de vitesse du tout, les gars.
Encore, j'aurais une super sportive. J'aurais pu faire un peu le thug comme j'ai fait dans la vidéo d'avant. Mais parfois, il faut éviter, les gars. Parfois, il faut savoir éviter. Bon, en tout cas, 4 minutes 54. Pour l'instant, c'est un 100% perfect. D'ailleurs, je vais vous mettre au défi. Je vous mettrai la course en description comme d'habitude. Je vais vous mettre au défi de le faire en mode perfect. Ok. 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 Ouh, punaise de flûte. Ok, j'ai pas freiné. J'ai voulu accélérer jusqu'au bout. Ah. Là, par contre, les gars, un peu de concentration. Alors, est-ce que je peux me permettre d'accélérer? Parce que parfois, vous savez, le véhicule. Ok, je pense que là. Je pense que là, j'ai une bonne vitesse. Parce que parfois, le véhicule, il tourne tout seul à gauche, à droite. Je crois que là, ça le fait pas. Quoique, si, ça le fait un peu. Ok. Tout doucement, les gars. Oui, il reste du chemin, les gars. On est à peu près à la moitié. Un peu plus de la moitié. En fait, si, je peux accélérer. Ouais, ok. Bon, j'ai mis un peu plus de vitesse vers la fin. Mais c'est parce que, en fait, j'ai envie de faire un perfect, les gars. Donc, j'ai pas forcément envie de tomber. Ah, bah d'ailleurs, les. Ok, les lampadaires, ils sont pas. Ok, là, par contre. Il va pas falloir faire l'imp ici, parce qu'il y a beaucoup de virages. Et comme j'ai dit, les virages, faut les prendre dans le vide. Hein. N'oubliez pas, les gars, c'est la petite astuce. Regardez comment les roues sont dans le vide. Vous voyez comment les roues sont dans le vide? Regardez mes roues arrière, les gars. Concentrez-vous sur mes roues arrière. Qui sont totalement, totalement dans le vide, les gars. Voilà. Et là, on est bon. C'était pas mal. Franchement, c'est stylé. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme véhicule? Oh, pas mal. Le Prowler. Le Prowler. Ok. C'est bon. Ça passe nickel. Le Prowler, il fait pas nimp. On va pas tomber avec des véhicules à la nimp. Bon. On se dit imperfect dans le tuyau, les gars. On se prend aucun obstacle. Allez, c'est parti. Ah bah, je vais rester au milieu. Eh ben, je suis bien synchro, ça tombe bien. Ok, 7 minutes 18 pour le moment, 7 minutes 20, on est pas mal. On est tombé 0 fois dans ce parcours. Et il faut aller à fond ici. Et j'irai même ici. Faut pas avoir peur, les gars. Oh, le blazer. Attends, je pensais qu'il allait nous mettre le véhicule dégueulasse là. Ok, blazer à quoi? Pour l'instant. Je le rappelle qu'on est tombé 0 fois et c'est un perfect total dans ce skill test niveau noob. Hein. C'est pas un skill test niveau pro, hein, je vous le dis direct. Parce que les skill tests niveau pro, j'en ferai aussi sur la chaîne. Mais là, j'en ferai avec la salle et ça va être un peu plus hot, quoi, un peu plus compliqué. Alors, on a combien de points? On a 31 sur 37, ok. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin. On remonte en haut là? Attendez, on n'était pas déjà venu ici? Ok, alors attendez, parce que si je sais pas ce qu'il faut faire, attendez. Faut aller où là? Ah ok, faut aller là à gauche. Faut de l'élan, je pense, non? Je sais pas si j'ai assez d'élan. Allez, ouais, je suis bon, c'est parfait. Ok, on n'est pas tombé, c'est parfait. C'est Melly, c'est Stelly, c'est Ferry. Et on arrive bientôt à la fin du parcours, parce que rappelez-vous qu'on était à 31 sur 37 tout à l'heure. Et là, je pense qu'on est dans les 34-35. Ok, ah ouais, c'est vachement stylé par contre. Honnêtement, le créateur là, j'aime bien, les gars. Il est vraiment fort. Ok, là je vais à droite. Là je vais à gauche. Ok. Là je vais à droite. Là je vais encore à droite. Pff, allez les gars, faut pas qu'on tombe. Faut pas qu'on tombe. C'est le but, c'est 100% perfect. Let's go to the party. Let's go to the party. Et on est steady, merry, fairy.
Oh shit. On va même finir comme ça, d'ailleurs. Eh bien voilà, c'était Unmin pour vous servir. Un mot à lire Groot à la fin, peut-être. Groot, là, ici. Non, il a rien à lire. En tout cas, c'était easy, busy.